Allez, salut à tous les amis, c'est Warlock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed Valhalla. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait tué la flèche qu'on avait trouvée avec Stowe. Et maintenant, avec RQ, on va trouver la sangsue et on va la gifler. Et là, on se retrouve devant une zone rouge qui se trouve à Landan. Et apparemment, il faut trouver et interroger le forgeron. Alors, je vais juste baisser un peu le son du jeu parce que c'est un peu fort. Voilà. Donc, je dois poutrer du monde. Donc c'est ce qu'on va faire, on va monter tranquillement. On va s'occuper de tout le monde. Je sais pas si j'ai assez de flèches pour faire tout le monde, on verra. Alors. Est-ce que je peux monter ici? Oui. Oui. Ah mais ça sert un peu à rien de monter trop haut, je crois. On va voir. Alors. Donc eux c'est bon. Ah lui c'est bon aussi. Qui est-ce qui est poutrable? Lui, je peux pas. Lui, je peux? Ouais. Ouais, voilà, ça dégage. Ah, là-bas, il y en a un. Comment vider une zone? Voilà. Voilà. Alors. Déjà le forgeron, sûr et certain, il est là. Il est là où il y a la fumée, donc là. Hop, je veux. Ouais. Je veux voir le stationnaire, voilà, il est là, le forgeron. Ça au moins on le sait. Alors je vais peut-être changer d'arc. Pour faire les autres. L'arc du prédateur, il est là. Bon, alors. Ah, je l'ai raté. Voilà. Ok. Ah les massacres, je peux pas les... C'est dommage. On va redescendre un coup. Je dois redoubler de prudence par ici. Personne ne peut savoir d'où vient la flèche. Là non plus. Ok. Apparemment en dessous il y en a un. Et toi là-bas je peux vraiment pas te buter, ok. Allez hop, ça dégage. Au moment, lui là-bas, je peux le faire aussi. Ouais, hop. Et on a plus de flèches de prédateurs. Je vais reprendre l'arc normal. Non, ne descends pas. Personne t'a dit de descendre. Alors.
Ah, pourquoi tu bouges? Ah, ça l'a pas buté. Bah voilà, là tu es mort. J'aimerais bien que tu ressortes, que tu te replaces pour que je puisse t'assassiner. Non, tu n'as pas envie. Après, logiquement, s'il bouge pas, je peux descendre par là. Forcément, il a décidé de bouger au moment où j'ai bougé. Sinon, c'est pas drôle, n'est-ce pas? C'est un gros monsieur, ça. Voilà. Merci beaucoup pour votre mort et votre participation à votre assassinat. Je raconte n'importe quoi. Il n'y a pas des flèches ici? Non, il n'y a pas de flèche, ok. Après, je pense pas avoir forcément besoin de tous les buter, mais bon. Ah! Mais il y avait marqué assassiné, il n'y avait pas marqué buté. C'est quoi cette arnaque? Il n'y a pas une histoire de clé? Non, il n'y a pas d'histoire de clé, ok. Tu as la bourse que j'attends. Hein? Mais tu es qui, toi? Je suis un ami, Oya. C'est ton garçon qui a ton argent. Qu'est-ce que tu as fait de lui? Je l'ai mis en lieu sûr. Il avait l'impression d'être suivi. Ah, je savais qu'il ne valait rien. Pas comme cette fille. Elle avait les nerfs solides, elle. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Tombée malade, il y a quelques jours. Alors je l'ai envoyée à Sœur Frideswyd, une guérisseuse. Sœur Frideswyd. Que ce soit un os brisé, un nez qui coule, une verrue aux fesses, ou trop de sang de lunaison, elle peut tout arranger. Elle doit avoir besoin de nombreux instruments pour ça. Ah, ça oui. Et elle les a, les instruments. Elle vient me voir avec sa liste et je lui fabrique tout ce dont elle a besoin. Lui fabriquer, tu vas dire. Voilà. Hop, une tête découpée. C'est fini, vermine. Tais-toi. Voilà, petit écrasement de tête. Normalement, il n'y a plus personne en réalité, mais... Ah, quelqu'un m'a vu? Allez, viens te battre. Voilà.
Allez hop, on va sortir. Hop là. Et on va se diriger vers l'ascension. Qu'est-ce que tu vois? Ouais, c'est là-bas. Ne reste pas bloqué derrière les arbres. Le petit jeu. Alors, on va aller là-bas. Parce qu'il me semble que c'est vers là-bas que j'ai vu la localisation. Si je dis pas de bêtises. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, j'imagine que c'est là. On me voit, je suis en danger. C'est là que la censure utilise ses proies. Mais c'est pas vrai, c'est pas moi qui tirais, je vois pas de quoi tu parles, monsieur. Ben ça en fait du monde à tuer, hein. Juste pour trouver l'ascension. Ça, c'est un massacreur, je pourrais pas le tuer. Ouais. Mouais. Qu'est-ce qu'il fait lui là-bas? Il va venir ici? Ah, il a pris la décision de venir ici, ok. Mais y'a personne à qui tu parles. Ils ont décidé de tous venir en fait au même moment. C'est bon? Allez hop, ça dégage. C'est du nettoyage express. Ah mais dis pas que tu vas remonter toi aussi. Ils ont tous compris que j'étais là-bas, mais tous hein, sans exception. Hein. Allez hop, ça dégage. J'ai pas le temps de faire joujou.
Y a pas une fenêtre ouverte ici? Si, y a une fenêtre normalement, non? Oui, y a une fenêtre. Alors, trouver et assassiner l'ascension. Les gardes sont vigilants par ici. Ah, elle est là. Pour le don de tes yeux, je te remercie, Regna. L'un bleu, l'autre vert, le signe de la Renaissance. C'est fascinant. Magnifique. Sois béni. Grâce à toi, notre cause a progressé. J'aimerais bien assassiner le chef de bande. Comment je peux faire ça? Comme ça, ça passera? Cette compétence qui marche une fois sur six. Voilà. Encore un autre, et c'est tout. J'ai presque terminé. Cela suffit. Oh, c'est toi. Pour tous les morts que nous collectons, ma chère sœur, nous sommes égaux. C'est un vrai charnier. Je ne les compte même plus. J'imagine que je me suis laissé emporter par mes recherches, mais sans penser à mal. Les anciens, les arbitres, ils nous ont conçus à partir des morceaux. Si facile à briser et difficile à réparer. On doit pouvoir améliorer tout ça. Nous devrions être plus forts, plus rapides, plus futés. J'aurais pu arranger cela, nous rendre meilleurs. Nous sommes faits de sang, d'os et d'esprit, Friedesprit. Et parfait comme cela. Tu as de si beaux yeux. Termine. Veux-tu? Bon ben voilà, on s'est occupé de l'ascension. Il ne reste plus que le compas. Une jeune fille à qui on a arraché les yeux. Je pense qu'il s'agit de la Regna disparue. Bon, maintenant il va falloir aller retourner RQE. Et après je pense qu'on pourra enfin attaquer la phase finale où on trouvera peut-être le compas. Logiquement, hein, après je sais pas, on verra. Non, alors j'ai pas demandé de torche. J'ai demandé à ce que tu m'enlèves la cape.
Ils sont tous les deux à la villa du gouverneur? Non. Si. En dessous. Il y a une entrée en dessous, je l'aurais pas vu. Est-ce que le jeu ne vient pas de bugger? Comment il peut être en dessous? Ah mais il était là-bas en fait, ok. Donc logiquement on est bon. C'est fait. Ah, tu as saigné l'ascension. Et tu as découvert son nom? Une nonne, appelée Frideswid. Quoi? Cette gentille sœur? Ce n'est pas possible, c'est une sainte, une guérisseuse et... Par Dieu! Cette semaine a vraiment un goût de purin. Tu la connaissais? Elle m'a sauvé. Je m'étais cassé une jambe, et j'ai bien cru la perdre. Mais grâce à Frideswid, aujourd'hui, ma blessure a totalement disparu. Il y aura de grands changements. Sans elle, nous en reviendrons au traitement des humeurs. Tout ça pour ça. Le secret du corps humain. Sa manière de sauver des vies. Et comment y mettre fin? Tout cela n'est peut-être que les délires d'une folle. Le monde est plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est vrai. C'est bien vrai. Toute ma vie, j'ai privilégié la force. Sans un regret. Elle a choisi une autre voie. Elle a fait de nombreuses découvertes, mais... À quel prix? J'ai bien envie de brûler ce maudit recueil. Qu'est-ce que tu en penses? Trop de gens sont morts pour l'écrire. Il ne vaut pas son poids en sang. Tu as raison. C'est comme une paille sortie d'une bouse. Trop souillée pour son sang. Odin et Freya évaluent nos vies. Pas une mégère encadrée d'une guimpe. Oui, débarrasse-toi. Et n'en parle surtout à personne. Si tu as besoin de moi, je serai à Saint-Paul à chercher des informations sur le compas. Et merci pour tout, gars. Bon ben voilà, on a tué la flèche, on a tué la sangsue. Et maintenant on va se diriger vers le compas. À écraser le compas, voilà. Je sais pas si je vais avoir des points de compétence ou quoi. Oui. Allez, c'est parti, on va les placer. Alors, on va essayer de finir le rouge quand même, un minimum. Donc en gros, il m'en reste que celui-là, je crois, si je dis pas de bêtises, et ceux d'en haut, et après on est bon. Allez, alors on va se diriger vers Saint-Paul, là où se trouve Sto et Erke. Si on a le temps, on continue. Si on n'a pas le temps, on s'arrêtera là. L'accès à cet endroit est interdit. Ah. Alors, est-ce qu'on a une cinématique avant de continuer? Est-ce que ça nous lance directement dans quelque chose? On va voir. La bonne sœur a été tuée. Où se trouvaient les gars?
Les gens, ils sont pas contents dehors. Il y a comme de l'agitation à l'extérieur. Eivor, nous étions... On ne t'a pas vu entrer. Vous avez mis le nez dehors aujourd'hui? Il y a une atmosphère étrange dans les rues. J'ai entendu crier. La mort d'Avgos et de Frideswyd a fait beaucoup de mécontents. Espérons que le compas fait partie de cette contristée. J'en suis certain. Mais nous, sommes-nous prêts? Revenons sur tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Trigre a été tué et démembré par ses hommes. Des gens en qui il avait confiance. Avgos, la flèche. Notre frère d'armes. Il voulait offrir Lunden à l'ordre. Et la bonne sœur. Un autre poignard dans notre dos. Sœur Frideswyd, la sainte de Lunden. Elle était la sangsue et la ville son terrain de chasse. Ton évêque a déjà présenté des excuses au nom du clergé. Il est temps de se concentrer sur le compas et d'étaler au grand jour ce que nous avons appris. Oui. Nous avons envoyé la pointe empennée, tirée d'une sangsue au sang noir. Le dessein suspend son vol, patient comme le loup, et le maître du fleuve reviendra pour venger ses guerriers. Eh bien, tu as le don de l'hydromel de Dain. Sto, à quoi penses-tu? Nous savons que le compas est un marin, un capitaine de Francie. Et il sera furieux d'apprendre que sa coque est percée, si l'on peut dire. Après la mort de la sangsue et de la flèche, il voudra se venger, mais nous ignorons quand et comment. Il reste invisible. C'est un lâche, si vous voulez mon avis. Brûlez dans votre enfer, mon magistrat! Nous sommes coincés! Il y a une autre sortie? La tour! Il y a une fenêtre qu'ils n'ont pas pu atteindre! Ok. Y aller. Vous, trouvez une issue! Allez, c'est parti! Ah, mais il est déjà tombé le truc! Ok. Alors. Tac, voilà. Ah, il va pas falloir se foirer là. Hein. Bon, mais ça a direct enchaîné en fait. Je pense qu'on va trouver le compas et on va le buter. Ah, j'ai bien l'impression qu'on a trouvé le compas. Voilà. Rassemblant toutes les espringales construites par Apos, on pourrait envoyer une pluie de flèches sur ses envahisseurs. Je préférerais de loin contourner ses forces jusqu'au bateau. Si nous tranchons la tête de ce serpent, les hommes de l'ordre seront perdus. Je vais y aller seul. Ce sera moins dangereux pour vous. Quoi qu'il arrive, tout prendra fin ce soir. Puisse Dieu guider nos épées et couvrir nos affaires. Pour ça, il va me falloir des flèches. Ne fais pas de fou.
te retrouverai après. Sois-en sûr. Mais on va s'arrêter ici pour cet épisode qui aura duré 31 minutes. Moi je vais enchaîner derrière. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi je vous donne rendez-vous jeudi pour la suite d'Assassin's Creed Valhalla, l'épisode 34, je crois, si je dis pas, ou 35, je sais plus, on verra. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Warlocks et salut!